Gaufrette! Ben voilà, on attaque la dernière semaine de vacances. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, c'est l'occasion de manger sain, local et bon pour bien se préparer à cette nouvelle année. Ah, c'est aujourd'hui qu'on parle de notre copine. Oui, Céline, maraîchère depuis 3 générations, elle a repris l'exploitation familiale en 2016. 3 générations? Autant dire qu'elle est née sur les champs. Et elle est bichonne ses exploitations. Regardez comme c'est magnifique. Agriculture raisonnée sur 1 hectare en rotation. On aime bien consommer local. En plus, Céline est super sympa et toujours joyeuse. C'est l'adresse à connaître dans la région. Pour la retrouver, les détails en barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va cuisiner un produit de sa culture. Exact, regarde-le, juste avant qu'elle nous le cueille. Le melon, c'est vraiment trop bon. 3 recettes rien que pour vous, découvrons-les ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et direction cuisine. Pour la terrine, il faudra 2 melons, 400 ml de muscat baume de Venise, 2 citrons, 6 feuilles de gélatine, un récipient d'eau froide et 4 cuillères à soupe de miel liquide. Je plonge les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Je mets le muscat à chauffer et hors du feu, j'ajoute les feuilles de gélatine bien essorées. Je remue. J'ajoute le jus de citron, le miel et je fouette. Je laisse tiédir. Je coupe les melons en deux, je lève les graines et forme des boules de chair à l'aide d'une cuillère parisienne. Je remplis le moule avec les boules et je coule la gelée. Ça part minimum 6 heures au frigo. Pour la confiture, il faudra 1 kg de chair de melon, 900 g de sucre, 2 citrons et 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Je coupe les melons en morceaux. Dans une marmite, je mélange le melon, le sucre et le jus de citron. Je couvre de film alimentaire et laisse macérer pendant 6 heures. Je mets à chauffer. Une fois à ébullition, j'active le minuteur sur environ 20 minutes. Pour vérifier si ta confiture est prise, pose une goutte sur une assiette. Si elle gélifie rapidement, c'est ok. Sinon, prolonge la cuisson. À la fin de la cuisson, j'ajoute le sésame, j'empote et retourne les pots immédiatement. S'il te reste du melon, fais des brochettes italiennes. Il faudra du melon,
des boules de mozza, du jambon cru et des feuilles de basilic. J'enfile chaque ingrédient sur un cure-dent en harmonisant les couleurs. Des recettes simples et rapides avec des melons délicieux cultivés avec amour. Vous retrouverez Céline tous les jeudis sur une livraison gérée par une association. Tous les mardis en livraison sur les routes de la ville. Tous les samedis matin et mercredi soir sur le marché de Léon. Mais il y a aussi Brando, son fils cuisinier, sur le marché de Léon. Oui, un food truck, snacking élaboré et produits frais. Pas de panique, tous les détails en barre d'infos. C'est l'heure de se quitter, on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.